Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit, on continue aujourd'hui à vous présenter un mode dédié à la discipline reine du sport automobile, la Formule 1, et ce mode RSS 79. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Vous l'avez vu ce matin avec la Formule 4 britannique, la Formula RSS 4. Eh bien, les modes continuent d'arriver sur Assetto Corsa et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on va présenter donc ce mode qui est disponible sur PC, bien évidemment, pas sur les versions console. Beaucoup me demandent si on peut modder sur console, ça n'est pas possible pour le moment, je le rappelle. Et ça ne sera pas possible, à mon avis, avant un bout de temps, à moins qu'un workshop s'installe. Bref, ça n'est pas le sujet, mais je voulais vous le dire parce que vous étiez nombreux à me le dire récemment, donc voilà. On est donc sur la Formula RSS 79, un modèle repris et inspiré des voitures de la saison 79 de Formule 1, une saison qui aura marqué l'histoire. On fait, comme vous le savez, avant la présentation de chaque mode, un petit peu d'histoire. Ce sont des voitures qui sont eh bien inspirées d'une saison qui aura marqué l'histoire pour plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est tout simplement l'un des derniers titres de Ferrari avant plus de 20 ans avec Jody Scheckter qui a donc remporté le titre devant Gilles Villeneuve. Les Ferrari avaient marqué la saison avec de nombreux duels, mais c'est surtout Renault qui avait été au cœur de l'une des plus grandes courses de la saison à Dijon, puisque on se rappelle de deux choses. La première, c'est cette lutte incroyable pour la deuxième place entre René Arnoux et Gilles Villeneuve sur la Ferrari. C'est ce pourquoi ici on roule avec le skin de la Renault dans cette première course ici à Silverstone édition 88. La voici, cette voiture. Et ensuite, eh bien, la première victoire d'un moteur turbo Renault. La première victoire de Renault, c'était avec cette voiture en 79 à Dijon. Et c'était le pilote Jean-Pierre Jabouille qui l'avait emporté. Voilà. Alors évidemment, ici, ce sont des voitures factices. Hein. Ce ne sont pas de vrais modèles. D'ailleurs, vous avez pu constater, si vous avez l'œil vif, eh bien, qu'il y a de nombreux skins installés. On retrouvera des skins de Brabham, de Leitanos, de Ferrari, même des skins d'IndyCar. Je crois qu'il y a du Penske qui traîne, il y a du Cool Racing. Enfin, il y a plein d'équipes qui sont là présentes. Il y a du Haas aussi. Enfin bref, il y a plein de skins que j'ai rajoutés parce que, en fait, c'est une voiture qui a tout ce qu'il faut. Pour moi, elle a un look, elle a un bruit et elle a un comportement vraiment sympa. Alors on va y venir, on ferme la parenthèse F1 alors que là c'est très très chaud et ça nous montre déjà un des problèmes du mode, mais ça on va y revenir. Sincèrement, là ça passera pas, voilà, très compliqué. Si je dois vous présenter l'un des deux modes à choisir, je vous inviterai plus à choisir celui-ci que la F4 si vous êtes un habitué. Pourquoi ? Parce que ces voitures sont vraiment excellentes. Alors je peux vous dire un truc, c'est que je les ai testées en triple screen. Et que le triple screen avec cette voiture sur Assetto Corsa, c'est juste magique. C'est-à-dire que si vous mettez un petit filtre à l'ancienne, vous avez vraiment l'impression d'être sur une caméra embarquée des années 70. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des packs qui sont sortis précédemment dans le jeu avec des Formule 1 de cette époque. Vous pouvez les opposer à la Lotus qui est présente dans le jeu. Vous n'aurez aucun problème de niveau. Elles vont se battre entre elles. Et ça, c'est toujours agréable à voir que certains modeurs prennent des bases qui sont correctes pour avoir une équivalence avec ce qui est créé par le studio officiel Kuno Simulazioni. Un petit point aussi sur la fiche technique de cette voiture, 475 chevaux, ça vous paraît pas énorme, mais pour un poids de 610 kg, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Et ce que l'on peut constater tout de suite dès qu'on est derrière le volant, c'est qu'elles sont bestiales, mais qu'elles ne sont pas si impossibles à maîtriser que ça. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la finesse du force feedback du mode permet, comme une voiture officiellement développée dans le jeu, eh bien d'aller toucher la limite de l'adhérence et parfois même se surprendre à glisser tout au long d'un virage, comme c'était le cas à l'époque, et se faire mais vraiment kiffer avec un volant. C'est juste démentiel. Alors vraiment, je suis pas toujours le plus gros fan de cette époque-là de la Formule 1. Je préfère un peu plus après avec les turbos, ou un peu plus avant avec les suppositoires des années 60, hein, les balles de fusil. Mais là, force est de constater que visuellement, ça envoie du très très lourd. Mais malheureusement, il y a quelques soucis. Alors, au niveau du modèle 3D, c'est un modèle 3D qui est entre guillemets très basique, comme le mode précédent que je vous ai présenté ce matin. C'est un mode qui là, voilà, est propre. Mais regardez, voilà, sur une caméra embarquée à l'arrière, on voit un petit peu l'intérieur du moteur qui vibre, les roues. C'est très très bien. Il faut pas plus. Et honnêtement, je pense que niveau détail, c'est suffisant. La réalisation 3D est donc réussie. Au niveau de la voiture, du comportement, le FFB est bien retranscrit, quoique pour moi un peu trop gentil. C'est-à-dire que dans cette époque-là, eh bien avec les turbos, on a souvent tendance à se prendre ce qu'on appelle, désolé, un coup de pied aux fesses. Et là, eh bien, ce côté « tiens, je te donne un bon kick », eh bien, n'est pas trop présent. C'est assez, comment dire, c'est assez linéaire, c'est assez souple, et c'est quelque chose que l'on regrette peut-être
dans ce mode. Alors effectivement, peut-être qu'un mode F1 79 pourrait avoir lieu avec les skins, ce serait vraiment cool une nouvelle fois, mais ça reste un championnat monomodèle, donc vous achetez pour 4€ une seule voiture, mais vous pouvez mettre des skins. Regardez ça. Mais quel kiff! Alors là, évidemment, j'ai peut-être perdu une demi-seconde ou une seconde sur le gars devant, mais qu'est-ce que c'est bon! Regardez ça, c'est vraiment très très bon. Parfois, ça va un petit peu trop loin en dérive. Mais heureusement, on peut ramener la voiture. Alors avec une boîte en H, c'est encore plus le pied. Là, j'ai piloté avec l'embrayage automatique, mais avec la boîte en H. Et on s'y croit vraiment en triple screen. C'est vraiment des sensations géniales. Au niveau du son, je vais vous laisser profiter d'une vue on-board de la fin de ce tour de Zandvoort. Et on se retrouve après le départ de la prochaine course, si j'y arrive, parce que hop hop hop, c'est très compliqué du côté de Zandvoort. Vous l'avez constaté par vous-même au départ de cette course ici, du côté de Sebring, l'IA est à la ramasse et ça c'est vraiment ce qui pêche dans ce mode. Alors effectivement, quand les modes sont créés pour Assetto Corsa, on a souvent tendance dans les voitures les plus puissantes à avoir des voitures qui ne tiennent pas dans les enchaînements rapides et qui se fourvoient au départ. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça gâche le plaisir d'avoir un beau départ et une belle bagarre. Sachez qu'au niveau des setups de l'IA, je suis actuellement à 96 en difficulté avec une agressivité qui est quasiment au maximum. Donc effectivement, il y a pour moi vraiment un problème à ce niveau-là. Et c'est pour moi le seul vrai point noir du mode, c'est que si vous ne jouez pas en ligne avec des potes qui maîtrisent toutes les voitures, l'IA va parfois se retrouver dans des situations où vous allez peut-être vous-même vous trouver dans un accident et être obligé de redémarrer votre course parce que ça n'est pas forcément logique de voir 2, 3, 5 voitures se coller au rail directement au départ. Alors, sachez que ça n'est pas non plus dû à des circuits modés, ça le fait également sur les circuits d'origine d'Assetto Corsa. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour la fin de cette course ici à Sebring, on va montrer les différentes caméras disponibles. Vous le voyez, avec une réalisation absolument superbe. On se croirait filmé dans Rush parfois, tellement c'est impressionnant. On va résumer un petit peu la situation. Au niveau du son, c'est très prenant. Au niveau des caméras, c'est tout aussi bon. Au niveau du modèle 3D, c'est un modèle unique, je le rappelle, mais qui est convaincant, qui rentre bien dans les normes de ce qu'était la saison 79. Pour le reste, eh bien, le comportement est agréable, mais à voir si ça n'est pas un mode qui sera plus sympa pour une ligue. Si vous avez une ligue et que vous voulez faire des saisons sur Assetto Corsa, je pense que là, ça peut être intéressant de se faire s'opposer des pilotes avec un niveau différent, mais avec un modèle similaire, un championnat monomodèle historique. C'est vraiment cool, d'autant plus que les circuits historiques commencent à de plus en plus pulluler, puisque les circuits modernes ont tous été vraiment, vraiment créés pour Assetto. Il n'en manque plus vraiment des connus. Donc on commence à avoir des pistes intéressantes, comme des anciens packs. Il y a un pack complet de la saison 75 avec Interlagos, avec Kyalami, avec plein de vieux circuits. Donc il y a vraiment quelque chose de bien à faire avec un petit filtre, ça peut être vraiment sympa visuellement. Et alors en mode photo avec le retour de flamme, la voiture est vraiment superbe. Le cockpit, vous le voyez, est complet également. On n'a pas besoin de HUD, on peut s'en sortir parfaitement avec le tableau de bord qui est complet. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. Aujourd'hui, on vous a donc présenté deux voitures. Je rappelle que vous pouvez le télécharger dans la description, c'est un mode payant. Si vous aussi, vous avez testé cette formule 79, cette formule RSS 79, et bien dans les commentaires, exprimez-vous. Dites-moi si quelque chose vous a chiffonné, si vous êtes convaincu, si vous la recommandez ou non. Sachez que c'est payant et que donc l'avis du plus grand nombre est toujours intéressant à recevoir. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne fin de week-end. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures en piste. Et d'ici là, bon amusement les amis, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine, salut !